Coucou. Bon, aujourd'hui je vais faire des yaourts avec vous. Ben, les petits yaourts tout simples parce que Coco m'avait acheté, enfin Père Noël m'a acheté une yaourtière. Donc je vais en faire avec vous. Oh, c'est tout simple. J'ai pas à me casser la tête. Je prends 1 litre. Enfin bonjour d'abord. Hein. À chaque fois j'ai oublié de vous dire bonjour. J'ai pris 1 litre de lait entier. Que je vais ouvrir. Là, je vais faire tout simple avec vous. Sans, je mets mon litre de lait dans un récipient. Bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui savent les faire, mais je dis pourquoi pas faire une petite vidéo sur mes yaourts, parce que ça fait déjà, j'ai ça depuis, j'ai ma yaourtière depuis Noël, là, 21. Oui, j'ai la voix qui a enroué, mais c'est le matin, ça. Alors, il y en a qui mettent des fins de yaourt, enfin du yaourt, du vrai yaourt. Moi, j'ai soit du yaourt à la grecque, comme ça, en poudre, ou soit mon yaourt maison, comme ça. Et pour ajouter, je vais mettre un petit peu d'arôme vanille dedans pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai mis mon litre de lait. Je vais me mettre un sachet. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Je vais me mettre un sachet. Alors, dans les paquets, il y en a 4 des sachets. Donc, j'en prends un. Voilà. Je vais faire tomber la poudre. Je l'ouvre. Il n'y a rien de compliqué à faire des yaourts, hein, franchement. Et je me régale. Maintenant, je ne mange plus que ça tous les jours. Je mange des yaourts maison. J'en achète plus. Ça va peut-être m'en revenir un peu moins cher parce que. Là, avec 6 litres de lait rouge, enfin du lait, oui, du lait entier, je l'avais acheté quand j'étais chez Coco, et c'est mon sixième, et on est le 12 février. Donc vous voyez, j'en ai fait, alors je peux faire 7 pots, ça fait 42 pots de yaourt que j'ai fait, enfin que je vais avoir fait, oui 42 parce qu'il me restait encore 1 litre de lait rouge à part. Donc je remue bien, je mélange, voilà, il n'y a rien de compliqué. Je le mélange, j'attends que ça mousse un petit peu quand même, mais pas obligé, hein, c'est pas obligé de... Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Je vais mettre un petit peu de vanille dedans, un petit peu d'extrait de vanille, enfin d'arôme de vanille. Hop, pour que ça ait du goût quand même. Hein. Je vais remélanger. Voilà. Je vais mettre ça dans l'eau. Je retourne mes pots parce que je les avais lavés. Je les ai retournés. Je vais les retourner. Vous voyez, oui. J'ai mes bouchons qui sont là. J'ai ma petite louchette. Et après, ben, je partage dans mes pots, tout simplement. Voilà. Alors, je mets déjà une louche dans chaque. En principe, avec 1 litre, je fais mes 7 pots. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et franchement, c'est... Alors après, bon, une fois, j'ai fait avec de la confiture en dessous. Après, là, quand il va y avoir des vrais fruits, enfin des vrais fruits, des fruits frais, quand les fraises, tout ça, ça va sortir, et ben, je ferai des yaourts avec des fruits. Mais là, je les fais nature, je mets de l'arôme vanille dedans, pas obligé, des fois, je les fais nature, hein, sans rien du tout. L'autre fois, j'ai pris un pot de confiture de fruits. Et j'en avais mis dans le fond du pot. Et ben c'est très bon. Alors bon, après, vous les sucrez ou vous les sucrez pas. Hein. Moi, je mets pas de sucre dans mon... Mais vous pouvez sucrer aussi votre lait. Il n'y a pas de souci. Tout ça, ça... Vous voyez, hop, avec 1 litre. Voilà. Je vais mettre ça dans mon eau qui est prête. Voilà. J'ai fait un peu de cochonnerie, mais bon, c'est pas grave, ça se nettoie. Hein.
Je vais nettoyer ma table après parce que le lait ça colle quand même. Voilà. Ensuite, et eh ben tout simplement, alors il y en a qui les bouchent, il y en a qui les bouchent pas. Moi je les bouche, hein, je les ferme. Bon. Je les ferme bien. Vous voyez toujours, oui. Voilà. Hop, hop, j'ouvre ma yaourtière qui est là et tout simplement bah, je les mets dedans les 7. Hop, et hop, je vais mettre mon petit couvercle. Alors il y a un gradoir, mais ça ne me sert pas. Et là, c'est parti, je vais appuyer, ça fait pas de bruit, et c'est parti pour 10 heures. Donc là, il est 10h10, donc à 8h10 ce soir, enfin 20h10 ce soir, enfin 20h, 20h30, j'arrête et mes pots seront prêts. Donc je les laisse se refroidir, et ensuite je les mets au frigo pour demain, ça sera super bien. Voilà, bah écoutez, voilà, c'était une toute petite vidéo comme ça. Je voulais vous faire partager ma... la façon que je faisais mes yaourts. Alors, si, je sais que vous êtes beaucoup à en faire, donc je vous apprends rien. Mais c'était juste pour partager avec vous et puis parler un petit moment. Voilà, donc je vous fais un gros bisou et puis bah, je vous dis à la prochaine fois. Bisous!